Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 6 et le dimanche 7 janvier du coup 2024, je ne suis toujours pas habitué à le dire. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai remis le chapeau magique. En deuxième, oh, la petite tortue de Céline-Marie. Et en euh, troisième, le chat noir. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'hab, l'Oracle Euro, le Magic Luna de Delphine, les prédictions des chibis de ma belle Cricri, j'ai ressorti l'Oracle Aura, parce que figurez-vous de l'Aura Barrière, car je viens de, de voir sur Instagram qu'elle va sortir bientôt les précommandes de, de son tout nouveau, l'Oracle des Neiges, je crois. Euh, j'ai trop trop hâte, celui-ci déjà je l'adore, hein. moi il n'y a plus malheureusement. J'ai pris aussi l'Oracle de Bella, de Bella Medium, que j'aime beaucoup aussi. Et bah pour le tarot, j'avais trop envie de ressortir le OAK Tor. Voilà, euh, dans sa petite version mini. Il euh, y a juste la carte ici. Moi, je vais la laisser dedans, n'est pas grave. Je sais laquelle c'est. Euh, bon, les cartes de présentation, on n'a pas besoin. Celle-là où il y avait un défaut, vous voyez. Je l'ai vue après coup. Je lui ai écrit à la créatrice. Elle m'a directement répondu et elle vient encore de me faire un message pour me dire qu'elle m'avait envoyé la carte, euh, bah, la carte allumée et que elle me demandait de lui faire un petit message dès que je la recevais. Hyper gentille voilà. Bon, c'est pas bien grave. Hein. Le seul truc qui est en nuance, c'est que bah du coup, euh, on, allez, quand on mélange, euh, comme c'est le dos, on, on le reconnaît tout de suite et on sait tout de suite quelle carte c'est. Bah, voilà, de toute façon, euh, au prix où on les paye aussi en même temps, j'ai envie de dire, euh, autant les avoir euh, hein, comme il faut. Alors celui-ci, je l'adore aussi. Franchement, Zou, il est trop beau. C'est dommage qu'elle le, le ressort plus. Avec son dos. Hein. Je crois que je vous avais fait la présentation et je l'adore. Franchement, il est trop beau. Il y a des animaux aussi. Hein. Voilà. Bon. Voilà. Je ne vais pas vous montrer plus parce que sinon. Zou, zou. Alors, les petits chibis. On va juste enlever, bah comme d'hab, les cartes d'horoscope. J'ai cru que je m'étais trompée en les sortant. Je me suis dit, ça y est, j'ai pris le tarot à la place. Ça aurait fait. C'est que ça aurait dû être comme ça. Ça aurait fait euh, l'affaire aussi. Hein. Mais bon. Les chibis. Mais la fois passée, figurez-vous que pour la dernière, la dernière guidance que j'ai faite, euh, j'avais commencé mon intro euh, en vous disant bonjour, la date, euh, quel choix, et puis je me suis dit mince, j'ai oublié les chibis. Alors j'ai recommencé, j'ai vite été les chercher. Des fois, ils euh, comme ça, euh, soit c'est moi qui suis distraite, soit ils n'ont peut-être pas envie. Voilà. Voilà, et on va commencer tout de suite avec l'oracle euro. Ah, bah, décidément. Bon, on va prendre juste la première. Hein. C'est marrant, c'est ceux de la dernière fois, les mêmes. Bon, on va bien les mélanger. Bah, décidément, je n'ai même pas le temps de dire quelque chose, qu'il y en a déjà deux qui ont été éjectés. Voilà, mais bah, je suis contente aussi euh, d'avoir fini mes vidéos de coup de cœur 2023. Hein, des vidéos qui m'ont quand même pris pas mal de temps à faire, déjà à rechercher les jeux. Euh, les sortir des armoires, vous mettre les liens dans la barre de description. Et euh, bah, ça m'a fait... Euh, c'est des vidéos que j'adore regarder chez les autres. Ça m'a fait plaisir euh, bah, de vous faire plaisir en même temps. Ouais, voilà. bon, c'est une tradition maintenant, hein, les coups de cœur en fin d'année. Voilà. Et bah sinon, j'espère que vous allez tous très bien aussi. Hein. Je vous souhaite encore une fois bonne année, bonne santé, surtout la santé. Hein. Voilà, que tout aille bien. Espérons qu'on aura une meilleure année. Hein. Voilà et voilà. Alors, bon, lui, il a décidément il est dans tous les sens. Hein. Je vais arrêter de faire ça, de les claquer, parce que la dernière fois quand j'ai euh, pris le temps pour mettre le timing dans la vidéo, je me suis rendu compte en écoutant que ça faisait un bruit affreux. Un bruit métallique, trop d'énergie des fois. Ah, bah décidément. Oula, là, oula, là, oula, là, oula. Bon, non. Celle-là, non, mais l'autre, oui. On va remélanger juste un peu. Voilà. Voilà. Ouais, je le dis et je le fais quand même. Mais bon. Ah, d'abord, on va mettre les On va bah, décidément, lui aussi. Hop c'est une carte qu'on n'a pas encore sortie. Me semble, me semble avoir aperçu la rapidité, me semble. Je vais prendre celle-là. Je vais les mettre là les chibi. Alors il nous reste d'abord l'oracle aura. Et voilà. Hop hop hop. Je vais les mettre ici. Alors l'oracle de Bella. Je mélange super bien aussi. Maintenant je commence à en avoir quelques-uns pour mes guidances des oracles. Voilà. Et on va terminer avec une petite carte du tarot, mon grand chouchou. Voilà. Celle là voilà, bon, celle-ci je la vois direct à l'œil nu. Je vais la ressortir du coup, la mettre sous le côté. C'est pour ça que je suis contente que je vais en avoir une autre. Voilà, bon, on va regrouper tout ça et on va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi le chapeau. Hein. Alors, celle-ci aussi, ouais, la mort avait sauté. Celle-là, je l'avais vue. et le nom avait sauté. On l'avait vu aussi. Bon, ici, clairement, il euh, euh, y a peut-être des choses que qui vont prendre fin, vous allez peut-être terminer certaines choses. Euh, ou alors peut-être que vous êtes en train de vous poser la question, à savoir euh, si vous devez euh, clôturer certaines choses, mettre fin à certaines choses. Et en tout cas, ici, on vous dirait que c'est peut-être pas le moment de le faire. Voilà. C'est peut-être pas encore le moment euh, de clôturer certaines choses pour en mettre de nouvelles en place. Ou alors peut-être que vous avez peut-être des nouvelles choses que vous avez envie de mettre en place. Et euh, mais peut-être qu'on vous dirait qu'il faudra peut-être d'abord en clôturer euh, certaines avant de mettre des nouvelles de côté. Ça, ça pourrait également avoir ce que nous disent les autres cartes. Ici, ah le changement, bah, le changement qui va bien avec la carte de la mort. Euh, mais donc euh, encore une fois, peut-être qu'il y a des changements. Euh, vous avez peut-être des changements que vous avez envie de, de faire pour, dans votre vie, dans votre boulot, euh, dans plein de domaines différents. Euh, vous avez en tout cas les clés. Euh, pour aller de l'avant, pour avancer. Euh, mais alors, on vous dirait peut-être euh, qu'il va falloir, si vous voulez euh, effectuer des changements dans votre vie, euh, dans votre boulot, etc., il faudra peut-être clôturer euh, certaines choses euh, bah, pour pouvoir continuer à avancer et en commencer nouvelle. Voilà. Ou alors, tout simplement, on vous dirait euh, que non, euh, si vous voulez avancer, bah, il va falloir mettre fin à certaines choses. Voilà. Alors, ici, si j'ai bien vu, on a eu la rapidité. Ouais, c'est ça. Elle est trop belle je crois pas qu'on l'avait déjà vue celle-là euh, dans, le, dans les tirages donc la rapidité euh, ici peut-être qu'on vous dirait justement bah, que vous allez peut-être trop rapidement justement on vous dirait ça pourrait représenter le stop aussi du coup ça euh, peut-être qu'on vous, vous dirait euh, bah, qu'il faut pas, euh, il faut pas essayer de lancer des trucs trop rapidement justement euh, il va peut-être falloir, ce sont peut-être des changements qui vont prendre du temps. Euh, ce n'est pas dans la rapidité que ça va se faire. Il faudra prendre son temps euh, pour ça, en tout cas. Et il euh, faudra aussi euh, bah, peut-être clôturer certaines choses du passé d'avant. Euh, des choses, en tout cas, qui n'ont plus lieu d'être avant de pouvoir entamer euh, de nouveaux projets, de nouveaux changements dans votre vie, euh, d'avancer euh, vers de nouvelles choses. Voilà, mais ce ne sont pas des choses qui vont se faire dans la rapidité pour moi. Voilà. À mon avis, il va falloir stopper, ralentir un petit peu euh, la cadence et d'abord clôturer euh, ben, les choses qui doivent être terminées avant de pouvoir en mettre de, de nouvelles en place. Ça peut être dans une relation aussi, hein, clôturer une relation ou clôturer euh, avec euh, ben, des blessures passées pour pouvoir aller de l'avant. Euh, C'est un peu ce mode-là. En tout cas, ce ne pas des choses qui vont se faire dans la rapidité. Euh, L'élévation, ben, ici on a encore une fois l'idée, ça va bien avec le reste, hein, que si vous voulez justement euh, aller de l'avant, euh, ben, euh, aller de l'avant, évoluer, ben, il faudra euh, euh, laisser certaines choses de côté pour en commencer des nouvelles. Ensuite ici on a les blocages, ben, ça aussi ça va bien avec le reste. Hein. Euh, instabilité, va-et-vient, non, ben, on a deux fois le non. Euh, donc moi, je le verrais plutôt ici comme des blocages. Il y a peut-être vraiment des choses qui vous empêchent d'aller de l'avant, euh, bah, d'évoluer, de vous sentir mieux, euh, de faire de nouvelles choses, de mettre de nouvelles choses en place. Donc il y aura vraiment, il faudra peut-être... Euh... C'est marrant parce qu'on a deux portes, une ouverte, une fermée. Et ici, elle a la clé en main. Donc il faudra peut-être... Euh... Bah justement, euh, faire sauter les blocages si vous voulez aller de l'avant. Les blocages, c'est peut-être justement euh, bah, toutes des choses qu'il faut euh, clôturer du passé, justement. Et euh, il faudra prendre votre temps pour le faire, en tout cas, euh, pour pouvoir euh, évoluer, passer au-dessus de tout ça. Voilà, il y aura vraiment des blocages à faire sauter. Et pour le tarot, on a le 2 de bâton. Elle est jolie cette carte. Avec le 2 de bâton, avec l'idée bah, de... Ici, il est en train de regarder euh, au loin ce qui se passe hein, dans le 2 de bâton. Euh, C'est aussi... Euh, Faire un plan de bataille, voilà, se projeter, euh, etc. Donc, peut-être que vous devez euh, bah, établir un petit peu, peut-être un peu une liste, peut-être, de tout ce que vous devez euh, laisser derrière vous, sur ce que vous devez travailler, les choses qui doivent se clôturer, les blocages aussi, peut-être. Euh, peut-être faire une liste de tout ça pour justement euh, arriver à vous projeter euh, dans l'avenir euh, sans ces blocages, ce que vous pourriez faire justement euh, si ces blocages étaient. Euh, bah, terminé, guéri, oublié. Voilà, pour arriver à vous projeter. On va passer à ceux qui ont choisi la tortue. Avec la terre et. Oh, bah, tiens, deux éléments, ça alors. Avec la terre et le feu. Euh, la terre ici, bah, moi c'est toujours, je vous l'ai déjà dit, soit ça, veut, ça fait penser un peu à, à l'hibernation, hein, à rester dans sa bulle, cette saison aussi. Hein, cette saison euh, d'hiver, parfois on a juste envie de rester à la maison au chaud euh, dans sa bulle. Ça peut aussi euh, être l'ancrage. Le feu à l'envers, je ne sais pas. Par contre, je vais aller voir dans le petit livre. Qu'est-ce qu'elle en dit à l'envers Le sud. Ouais. Donc, on prendra plutôt euh, le sud. Ça ne va pas nous aider. Euh, L'élément euh, feu. Euh, je crois que je vais en tirer euh, une autre hein, de l'oracle. Attendez. Hein, parce qu'évidemment, il est tout en dessous des autres. On va en tirer une autre directement euh, pour voir. Parce que la terre et le feu, deux éléments, ça ne va pas trop nous aider. Et le savoir, le savoir, donc ici on a la terre et le feu, c'est marrant, ce sont euh, des éléments euh, tout à fait opposés, hein. ici on a le côté enflammé, ici on a le côté plutôt ancré, terrien, euh, peut-être qu'on vous dirait ici justement, euh, bah, peut-être de, de puiser dans votre savoir, euh, peut-être dans les, dans les deux aussi, pourquoi pas dans... Dans le côté euh, plutôt terrien, donc peut-être plutôt euh, on, allie, on garde bien les pieds sur terre et le côté euh, enflammé, passionné aussi, peut-être de justement euh, puiser dans, le, dans, dans votre sagesse pour justement euh, arriver à doser les deux, voilà. Ou alors peut-être tout simplement euh, que vous allez entamer peut-être une phase plus euh, plus mouvementée. Euh, peut-être vous êtes vraiment dans votre bulle là. Euh, en train d'un peu stagner et euh, peut-être que euh, vous allez peut-être euh, entrer dans une période euh, un peu plus, j'ai envie de dire olé, olé, euh, mais plutôt passionné. Voilà, bon, on va voir si les autres cartes savent nous en dire un peu plus. Ah, bah ici on a avec l'argent. Euh, bah, du coup, ici, peut-être que vous allez avoir... Euh, Peut-être des nouveaux projets, du coup, hein, qui pourraient avoir euh, avec l'argent. Euh, peut-être euh, peut que vous allez apprendre certaines choses euh, par rapport à votre argent. Et euh, bah, peut-être que, du coup, euh, c'est peut-être une bonne nouvelle qui pourrait vous faire sortir de votre bulle et, et vous, bah, vous remettre un peu, euh, bah, on va dire, l'optimisme, la passion euh, en marche. Peut-être une bonne, une bonne nouvelle, une rentrée d'argent qui, bah, qui va vous mettre hein, euh, de bonne humeur, joyeux. Euh, Parfois, quand on a comme ça une rentrée d'argent, ben, on saute un peu partout tellement on est content, hein, surtout de nos jours. On va voir. Bon, ici. Ah, les cadeaux. Donc, avec les cadeaux et l'argent, ça pourrait clairement être une rentrée, euh, une rentrée financière qui, du coup, pourrait euh, changer votre vie, en tout cas. Peut-être que du côté euh, pépère tranquille dans votre bulle, euh, vous allez, du coup, euh, ben, péter les flammes, entre guillemets. Hein. Euh, mais ici, cadeaux et argent, euh, ça me fait quand même penser à une rentrée d'argent, moi. Bon, évidemment ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Ici on a le temps. Euh, bah, peut-être que ce serait euh, du coup euh, une rentrée d'argent ou quelque chose qui a à voir avec l'argent, mais qui que vous allez peut-être du coup euh, en profiter euh, pour un bon moment. Voilà. Euh, bah, ou alors c'est quelque chose qui a pris du temps à arriver et peut-être que vous allez euh, bah, récolter peut-être le fruit aussi de, tout, de votre travail. Hein. Peut-être que vous avez bien bossé et vous récoltez peut-être une somme d'argent maintenant. Bon, c'est un cadeau pour vous et bah, c'est peut-être un, euh, un truc qui a pris du temps. Soit c'est un truc qui a pris du temps, soit c'est quelque chose, euh, bah, du coup, euh, qui va qui va agir sur le long terme. Une bonne nouvelle qui agira peut-être sur le long terme, mais toujours qui a à voir avec l'argent. Ici, on a la lune avec les choses cachées, sensibilité, intuition. Ici, euh, bah, peut-être que c'est justement euh, bah, cette rentrée d'argent qui va peut-être vous sortir d'une période euh, qui était un peu trouble. Un peu, euh, un, ouais, un peu la lune c'est aussi des choses cachées donc ça peut aussi être euh, sorti d'une période qui est trouble aussi ou, ou alors choses cachées c'est peut-être ça pourrait être euh, peut-être une, une rentrée d'argent qui, bah, qui n'était pas prévue euh, par exemple, je sais pas, ouais, quelque chose caché, euh, vraiment une, une, quelque chose qui a à voir avec l'argent, en tout cas qui n'était pas euh, prévu. C'est peut-être ça aussi avec le savoir que vous allez découvrir quelque chose euh, par rapport aux sous, en tout cas euh, qui n'était pas prévu et euh, un truc qui prend peut-être sur le long terme. Bon, on ne crache pas dessus si on, on nous propose des sous, évidemment. Ici, on a le 5 de coupe. Euh, le 5 de coupe, c'est l'idée un petit peu. Euh, en fait, il, le, le petit écureuil, il se focalise sur euh, ben, les glands ici qui sont cassés. Euh, il est triste parce que tous ces, ces trucs sont cassés. Alors, s'il si regardait vers le haut, il verrait qu'il y en a encore des tout neufs en haut. Euh, donc peut-être que, bah peut que justement, euh, ça, ça va bien avec cette carte-là. Hein. Je vous ai dit que vous étiez peut-être un peu dans votre bulle en, en train de stagner. Euh, ça pourrait être du coup un petit coup de pouce financier qui va vous redonner euh, la petite étincelle qui va faire que vous allez euh, vous remettre euh, sur les rails, entre guillemets. Voilà. Euh, qui va vous aider euh, et vous remettre sur les rails tout simplement. Voilà. Euh, peut-être que si vous regardez justement euh, la, la situation bah, différemment, et euh, eh bien euh, peut-être que vous verrez euh, qu a, enfin, quelque chose qui va, euh, va s'améliorer. Parce que c'est aussi la carte de la tristesse. On voit qu'il est abattu parce qu'il se focalise là-dessus. Alors euh, bah, peut-être justement que vous êtes un peu. Euh, Hein, peut-être abattu à cause de problèmes financiers aussi, et que, ben, avec euh, ici l'argent, le cadeau, peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir euh, vous donner une bouffée d'oxygène. Bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Hein. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le chat noir. Avec euh, le travail et. Euh, la montagne, bon, le travail, euh, bah, c'est le travail. Et ici, la montagne, c'est plutôt l'idée euh, d'avoir des, des obstacles. Hein. La montagne, euh, quand elle se dresse devant nous, euh, bah, si on, on doit l'escalader pour arriver à, à la l'affronter, la, fr la franchir, ouais, je vais y arriver. Donc peut-être qu'il y a des obstacles bah, cette semaine euh, au boulot. Voilà, il y aura peut-être des petits, des petits soucis qui vont se mettre sur votre route et il va peut-être y avoir euh, des, pro des, des petits problèmes où il va peut-être falloir relever les manches euh, ben, pour les affronter. On va voir si les autres nous en disent plus. Bon, ici, on a regret et culpabilité. Euh, donc, peut-être que vous allez regretter des décisions que vous avez prises au boulot. Euh, peut-être que vous allez culpabiliser aussi, peut-être devant ce problème qui arrive. Euh, peut-être que vous allez peut-être penser que c'est de votre faute, que vous allez avoir, que vous allez peut-être jamais y arriver aussi, et euh, vous allez peut-être avoir des regrets et culpabiliser euh, ben, par rapport euh, à ces soucis, à ces obstacles qui pourraient arriver au niveau du boulot. Bon, ici on a le silence, et le mutisme, donc ici on a un peu l'idée. Euh, c'est peut-être vous qui allez vous plonger dans, dans le mutisme. On est tous différents quand on, on arrive face à un problème, hein, à, à des soucis. Donc peut-être qu'ici, bah, vous allez juste avoir envie de vous plonger dans le silence euh, et de plus avoir envie de, de discuter autour de vous. Voilà. Euh, peut-être que c'est ce problème qui va arriver, bah, ce sera quelque chose, en tout cas, qui va. Qui, peut-être vous allez culpabiliser ou du moins vous ronger les sangs. Hein. Ici, on voit qu'il y a, on a l'air de se ronger les ongles un peu euh, et ben, ça va peut-être vous plonger dans le mutisme. Ici, si on a la métamorphose. Ce sera peut-être quand même un, un problème que une fois que vous l'aurez peut-être affronté, ben, peut-être que vous allez en sortir euh, un peu, euh, peut-être grandi, peut-être que ça va vous apprendre des choses. Euh, parfois, on voit ça d'un mauvais oeil quand on a un souci. Puis finalement, on arrive à le... À le à le solutionner les doigts dans le nez. Hein, et alors, après, on est fier et on sait que bah, si ça se reproduit, bah, on sera géré. Donc, peut-être, c'est peut-être ça euh, la métamorphose aussi ici, euh, de se dire que bah, ça va peut-être vous apprendre des choses, justement. Ah, ici on a la clé avec la solution l'accord la chance et le oui bah, c'est ce que je disais euh, bah, peut-être justement euh, que vous allez trouver une solution euh, par rapport à ce problème pour moi vous allez réussir à le solutionner et euh, bah, vous allez justement euh, en sortir grandi et vous évoluer dans votre euh, bah, dans votre job peut-être dans votre travail et du coup vous saurez bah, que si ça se reproduit euh, bah, vous aurez les cartes en main pour arriver à le solutionner euh, sans problème. Et ici, on a le 2 de pentacle. Il est trop joli avec ses bébés, ces euh, bébés la pro, trop mignon. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit, le 2 de pentacle euh, Oui, ici, c'est jongler, c'est vrai. Jongler, euh, arriver à faire plusieurs choses en même temps, euh, garder un certain équilibre. Donc, peut-être que vous allez arriver à gérer justement ce problème, euh, à jongler entre peut-être votre boulot et peut-être euh, les choses, enfin, euh, les trucs, les obstacles qui vont vous tomber dessus. Et en tout cas, moi, je pense que vous allez arriver à solutionner ça, à jongler en tout cas entre les deux et à solutionner le problème, euh, les doigts dans le nez. Et euh, ben voilà, tout simplement, vous en sortirez grandi. Voilà, donc euh, ma foi, ce sont de pas trop mal d'énergie euh, pour cette semaine. Il hein. euh, y en a un qui parle plus de boulot, un qui parle plus d'argent. Et ici, euh, plus de de d'évolution personnelle. Voilà. Mais du coup, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous